tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans ma dernière balle spéciale concours 3000K. Alors, autant vous dire que j'ai un petit pincement au cœur parce que c'est fini. J'aimais bien les balles, surtout spéciales concours. J'ai adoré. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que j'ai reçu 65 participantes. Alors, je suis désolée s'il y en a qui arrivent après, mais déjà que j'ai prolongé de au moins 15 jours, je pouvais pas attendre plus. Mais 65, c'est juste waouh. Ce soir, à 20h15, 20h30, je vais faire le tirage au sort en live. Oui, un live, ça fait super longtemps, mais vous inquiétez pas, je vais revenir petit à petit. Il va y avoir des modifications un petit peu sur ma chaîne, mais ça, vous le verrez au fur et à mesure du temps. Et ce soir, je vous récapitulerai tous les noms et bien sûr, je vais refaire mon papier au propre. Et puis voilà, que vous dire, ça a été 2 mois intenses, vraiment voilà, j'ai reçu des magnifiques participations, des messages magnifiques, très beaux messages, des voilà, plein de choses et voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que je vous le dis encore une fois, mais sans vous ma chaîne n'est rien du tout, donc vraiment merci, 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 merci. Et on va attaquer aujourd'hui avec la 61e participante, me vient de Fanny V. Fanny, j'avais tout simplement fait, si vous vous rappelez bien, le calendrier de l'Avent, l'échange avec elle. Et elle avait une petite fille et voilà, elle m'a envoyé un colis. Donc ce colis, alors je les ai juste pré-ouverts, hein, comme d'habitude. Donc je vais le mettre à côté de moi, tout en restant dans le cadre. Hop, alors ça c'est quoi? Alors ça c'est le truc du mondial relais. Alors, c'est très très bien emballé. Alors, pour Chachou. Donc, une enveloppe bien fermée. Je vous montre qu'elle était bien, bien, bien fermée. Je vais remettre un petit peu à mes pieds. Une très jolie carte. Je pense qu'il va y avoir un mot derrière, hein, qui se cache. Très long mot quand je vois que c'est écrit en plusieurs couleurs. Alors, comment on l'ouvre? Ah oui, effectivement, il y a un très, très grand mot. Donc Fanny, merci beaucoup pour ton mot, voilà, merci pour ton mot d'encouragement, c'est gentil, hein, ça me met les larmes aux yeux. Bref, je t'en remercie infiniment, ton mot comme toujours me touche et elle m'a fait une boîte à explosion. Donc on va ouvrir tout ça, ça fait très longtemps que moi-même j'en ai pas fait. Alors, déjà la boîte à explosion, je pense qu'elle est là-dedans. Et elle m'a dit qu'elle m'avait mis quelques scraps bidules. Alors, on va éviter de faire tomber le carton. C'est très, très bien emballé. Ça sent le parfum. Ouh. Ah oui, c'est la méga grosse boîte à explosion. Elle est juste méga. Méga, méga, méga. Alors, si je dis pas de bêtises, va falloir enlever le nœud. Hop, que je mets ici. Je vais le garder comme ça, je pourrais le remettre. J'enlève le couvercle. Ah ouais, ouais, d'accord. Elle est... Alors, j'arrive même pas à vous la faire voir. Hop. Hop, 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 hop. Elle est super grande. Donc, elle m'a dit que je la décorerai à mon goût. Vous voyez, hop. Enfin, c'est une boîte explosion, vous savez le concept. Je ne sais pas du tout si je vais la décorer, si je vais la laisser comme ça et je mettrai juste des photos. Je te dirai Fanny, mais alors c'est génial. Elle est énorme. Alors, je ne sais pas si vous voyez. D'habitude, les boîtes explosion, c'est petit carré. Bah, alors là, elle est super, super grande. Donc, je suis super contente. C'est génial. C'est génial. Et puis voilà, tu m'as dit, c'était comme une évidence les couleurs. Grave.
C'est trop, trop joli. Elle s'ouvre dans tous les sens. Ah, j'adore. On peut en mettre là des photos, hein. Ah, j'adore. Et moi, il faudrait que j'en fasse une, mais il me faut un tuto là. J'ai plus l'habitude d'en faire. Donc, merci beaucoup, Fanny. C'est génial. C'est génial. Je vais essayer. Hop. De tout remettre, de la fermer. Hop là. Voilà. Et je vais remettre le ruban. Hop. Bon, le nez était très très joli. Moi, je suis incapable de faire des nœuds. J'y arrive jamais. Voilà. Et il n'est pas très moche, mon nœud. Voilà, donc j'adore. Merci beaucoup, Fanny. C'est juste waouh, waouh, waouh. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Alors, dedans, il y avait un nœud. Alors, il était peut-être posé dessus. Je ne sais pas. Tu me diras, Fanny. Et avec, elle m'a mis. Hop, j'enlève le carton. Elle m'a mis une trousse. Elle est trop belle. Elle est trop, trop, trop jolie. Et dedans, je ne sais pas ce qu'il y a. Elle m'a dit quelques scraps bidules. Alors, il y a des mouchoirs Love. Donc ça, c'est génial. Et il y a plein de pochons. Alors, on va tous les sortir et je vais tout remettre dedans. J'adore quand elle me dit quelques scraps bidules. Déjà là, elle m'a mis des fleurs en résine blanche. Donc des blanches, il me semble que j'en ai quasiment plus. Mais moi, je m'en sers beaucoup dans le mix média, donc c'est top. Elle m'a mis des boutons. Donc ça, je m'en sers un peu moins, mais j'ai une créa à faire avec des boutons. Et le problème, c'est que j'avais que des marrons. Donc ben là, je commence du coup à avoir quelques couleurs. Donc ça, c'est top. Et ça, c'est pareil, même dans le mix média, on peut s'en servir. Et je ne pense pas m'en servir, c'est bien dommage. Donc merci beaucoup. Et je vais ouvrir ces petits paquets, que je ne sais pas ce qu'elle m'a mis dedans. Ah, elle va durer longtemps, celle-là de balles, parce que c'est la dernière. Et puis, quand je vois les grosseurs des cartons, je me dis, waouh. Elles, ah, ils sont trop beaux. Des, j'ai perdu le nom, voilà. J'ai perdu le nom, ça j'adore. J'adore. Des trombones. C'est trop génial. Alors ça, j'en avais quasiment plus, je suis contente. Je suis contente, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, des rouages. Donc, n'hésite pas, Fanny, à me dire où tu les achètes, ceux-là, et les filles qui m'avaient envoyé aussi, où vous les achetez. Est-ce que c'est est-ce que c'est sur les sites français ou pas? Et alors, elle s'est régalée, je pense, à tout bien emballer. J'arrive pas à voir. Un stylo, il est trop trop joli. En plus, elle m'a fait des petites pochettes. Donc moi, j'ai un petit peu abîmé. J'adore. Il est trop 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 joli. Regardez, elle a fait une petite pochette. J'adore. Donc pareil, hein, vous savez mon amour pour les stylos, etc. Crayon, crayon gris, etc. J'adore ça. On se croira à Noël. Ah, oh, encore des rouages. Génial. Génial. J'en connais une qui va être jalouse, mais elle en a plein. Elle en a plein déjà. Et pour finir, hop, c'est là-dedans. Oh, c'est super joli. C'est super joli. C'est des nœuds en forme de d'aile. Ah, c'est magnifique. Ça, je ne sais pas du tout où c'est que tu as acheté ça, Fanny. Mais c'est trop, trop, trop joli. Voilà, donc ça c'était l'envoi de Fanny. Donc Fanny, tu es numéro 61 et je te remercie du fond du cœur pour ta création et pour les cadeaux. Et je pense que ma fille, clairement, va me la piquer. Ou à moins est-ce que j'y fais pas voir, mais je pense qu'elle va la voir. Donc merci beaucoup Fanny. Après Fanny, j'ai reçu l'envoi qui me vient de Sandrine. Donc Sandrine, ça m'est arrivé dans une boîte comme ceci. Pareil, je l'ai pré-ouvert. Donc Fanny, tu es le Sandrine, tu es le numéro 62. Alors, oh, oh, c'est magnifique. Alors, je vais déjà vous faire voir la carte. Je vais enlever le carton, c'est magnifique.
C'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc sa carte, magnifique. Tout en délicatesse. Elle est magnifique aussi, la carte. Je la trouve sublime. Elle est trop, trop, trop belle. Ah, il y a l'ATC qui va avec. Donc, c'est thème éphéméraire. C'est la 6 sur 2 et c'est Sandy Créaveyron qui a une chaîne YouTube. Oh, je n'étais pas cadrée. Je vous invite à aller la voir. Elle fait des vidéos top. Elle m'avait déjà fait, si vous vous rappelez bien, à mon précédent concours, il est là-haut. Elle m'avait fait un gros cercle à broder en format style attrape-rêve. Et bien là, elle m'a fait encore une création qui est ouf. Merci beaucoup, Sandrine. C'est très, très, très gentil. Et oui, ta création me plaît énormément. C'est tout simplement une toile moitié mix média, moitié scrap avec ma photo. Mes photos, parce que c'est moi sur les deux photos. Donc, je ne sais plus où c'est que j'ai posté ces photos-là. C'était peut-être sur Facebook. Instagram, je crois pas. Donc, elle m'a piqué mes photos, mais c'est juste magnifique. Ouais, c'est sublime. Sandrine, c'est magnifique. Comme toujours, elle fait des créations en or et j'adore. J'adore. Alors, je vais dire à mon frère qu'il vienne me faire un autre trou. Parce que du coup, à force, je lui dis là, j'ai encore un miroir à lui faire poser, là je vais dire il me faut encore un trou parce qu'il y avait des anciens trous avant où il y avait de la tapisserie, c'était la tapisserie ici. Et je remets où il y avait des trous, mais là j'ai pas de trou et je vais la mettre juste à côté de son ancienne création. Et c'est juste magnifique. J'adore Sandrine, c'est trop 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 joli. Il y a une plume, il y a des oiseaux. Donc les oiseaux, ça me fait penser que j'ai un tatouage sur les côtes. Et c'est un texte et j'ai des oiseaux comme ça. Donc. Je ne sais pas si tu le savais, si c'était une coïncidence ou autre chose, c'est peut-être autre chose, mais moi ça va signifier ça, c'est juste magnifique. C'est magnifique, puis mon visage a fait tout drôle. Bon là j'étais mieux apprêtée qu'aujourd'hui quand même. Donc merci beaucoup Sandrine. Et Sandrine, tu es le numéro 62 et encore merci. Merci, 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 merci. Ah. Maintenant on va passer à Guylaine qui sera... Alors Guylaine H qui sera le numéro 63. Donc Guylaine, elle est ici. Hop, qui m'est arrivé aussi dans un colis. Oh, des... j'ai pris des bonbons. Ah là là. Alors, dans une enveloppe, il y a marqué Charlène. Oh. À peine j'ouvre, à chaque fois, je dis waouh. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, c'est une carte. Et en fait, donc, c'est le fond. Ça, il me semble que ça vient de Graffiti Girl. Si je dis pas de bêtises. Et par-dessus, elle a mis du. Vous savez, le. Alors là, vous verrez peut-être du tulle qu'on trouve chez Action. Alors peut-être qu'il vient de chez Action. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est juste super l'effet que ça fait. J'adore ça. Ça me donne des idées. C'est ça qui est génial. Ça me donne des idées. Ouais, c'est magnifique. J'adore ça. Je vous la refais voir. Elle est sublime. Et je vais lire le mot de Guylaine. Donc avec, elle m'a joint une ATC. Donc c'est la 1 sur 1. Bilélil. Alors j'arrive. Graphique. Bilélul. Je sais pas. J'arrive pas bien à voir. C'est sa première toile en mix média. Voilà, 3000, j'adore. C'est très gentil, petit clin d'œil. Elle fait un clin d'œil à Maric. Comme quoi, le boulot qu'on fournit. Donc, Maric, voilà. Vos créas sont magnifiques. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très, très, très gentil, Guylaine. Je t'en remercie du fond du cœur.
Très joli mot. Bon, déjà, on va passer par l'étape gourmandise. Donc, un petit pot de Nutella customisé. Et alors ça, autant te dire que je vais le laisser ici. C'est pour te dire, dans quelque part ici, je garde encore le suspense jusqu'à ce soir. J'ai une étagère où j'ai mis tout ce qu'on m'achète, enfin ce qu'on m'a acheté et ce qu'on m'a envoyé en nourriture, parce que forcément vous l'avez acheté, vous l'avez pas piqué dans les magasins, attention. Mais du coup je le cache et j'ai fait voir ça à ma famille, ils ont dit c'est pas possible, mais mes enfants ils ont toujours pas trouvé. Donc Nutella au top, j'adore ça, je suis une reine dingue du Nutella, donc merci beaucoup. Et il n'y a pas un, il y a beaucoup de paquets de bonbons. Il y a tout ça encore de bonbons. Donc, autant vous dire que je vais prendre des calories. Et si je grossis là, ça sera votre faute. Clairement, ça ne sera pas la mienne, ça sera la vôtre. Et avec ma glycée d'été, donc ça, il ne reste plus ici parce que j'ai enlevé la cafetière. J'ai donné ma cafetière. Voilà. Et elle m'a mis d'été. Donc ça, par contre, je les mets dans ma cuisine et ma fille adore m'en prendre. Parce que ma fille ne boit pas forcément du chocolat. La grande, elle boit beaucoup de thé. Il y avait une petite araignée dans le colis. Une miniature araignée. Elle venait du thé. Elle était accrochée sur le thé. Ouh ! Et le fruit rouge. Donc, merci beaucoup. Je vais les boire et ma fille aussi va les boire. Ma fille, elle a des favoris, mais ça, j'adore. Le thé, j'adore ça. Et alors. Oh. Je viens de voir quelque chose dessous. Ah, mais ça, je ferai voir après. Donc, déjà, je vais ouvrir ça. Donc, apparemment, c'est sa première toile Miss Media. Donc, bien entendu, c'est pareil. Le fond, là, c'est les dernières créations que j'ai mis sur toutes les toiles parce que je n'ai pas les supports, vous savez, pour les coller au mur. Mais ça va changer. Vous allez voir, ça va changer tout le temps. Donc, faut pas vous inquiéter. Mais quand vous allez voir la pièce... Vous allez dire, ah oui, en effet, il y en a de partout. Oh, une première? Non, pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une première. Oh, le petit monde de chachot. Ah, oh, je kiffe. Hop, regardez-moi comme c'est beau. C'est magnifique. Je vous le fais voir de plus près. C'est magnifique, c'est une merveille. C'est trop joli. C'est pas possible, c'est pas ta première créa en mix média. Non, c'est trop beau. C'est trop, trop, trop beau. Ah, j'adore. Ça me donne plein d'idées, mais c'est dingue, ça me donne plein d'idées. Alors ça, à la base, je sais pas si c'est un tampon que tu as fait sur la pâte directement ou si c'est un pochoir, tu me diras. Parce qu'il est magnifique. Magnifique. Vous devez entendre mon ordi de là-bas, je suis désolée. C'est magnifique, Guylaine. Oh, je bafouille. C'est trop, trop, trop joli. J'adore. J'adore. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Et au fond... Ah, déjà, il y en avait un qui s'était caché. Alors, scrap bidule. Déjà, on va attaquer par là. Donc ça, vous savez que moi, j'ai deux tiroirs maintenant, parce que plus un ne suffit, mais deux où je mets toutes les scrabidules qu'on m'envoie, je les laisse dans les pochons ou dans les boîtes, et je m'en sers. Hop. Alors là, il y a des papillons. Alors le problème, j'ai... Oh, il y a des... Oh, il y a des flèches en bois, alors ça, j'en ai pas, je suis trop contente, j'en ai fait tomber une. Et au fond... Hop. Il y a des embellissements métal. Il y en a plein. Il y a plein de choses. Voilà. Hop, je vous fais voir. Il y a plein de choses. Donc, Guylaine, merci beaucoup. J'adore. Puis, les papillons sont trop beaux. Je ne vais pas le refermer parce que j'ai peur de casser les papillons. Hop, donc, je vais le poser là. Donc, merci beaucoup. Ah, non, il y en avait encore un. Je vous dis, il y en avait encore un. Ah, je vais enlever le carton. Et au fond, elle m'a mis... pour tes futures créas, j'espère que ça t'inspirera. En fait, elle m'a fait un kit. Donc déjà, alors, j'adore. Je vais tout sortir. Au moins, je vais tout remettre dedans. Hop. Déjà, il y a
De ça, alors je sais plus le nom, c'est ce qu'elle s'est servie sur sa toile, donc c'est génial. J'ai perdu le nom, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Mais ça, sur des créas en mix média, de toute façon, vous allez le retrouver, c'est obligé. En plus, j'allais te poser la question, où c'est que tu trouvais ce genre de choses-là? Elle m'a mis pareil, ce qu'elle a mis sur sa créa. Alors, je sais plus comment. J'essaie de regarder sa créa. Alors, je sais pas si c'est ça vraiment qu'elle a mis sur sa créa, mais c'est une matière. Ben déjà, c'est bleu, donc c'est génial. Et c'est une matière que sur le mix média, pareil, ça va être au top. Elle m'a mis du fil noir. Alors, c'est du fil. Voilà. Super épais. Donc, ça, pareil. À travailler. Elle m'a mis des fils comme ça, donc ça c'est pareil hein, pour faire des fonds derrière, ça va être génial. Et après, elle m'a mis une petite pochette, il y en a une deuxième, idem avec prudence. Alors, idem avec prudence. Des perles? Ah non! Oh, des perles de pluie, donc bleues et transparentes. Donc ça, c'est top. Et derrière, à ouvrir avec prudence. Allez, on va l'ouvrir par en bas. Je pense que ça sera mieux. Ah ouais, c'est des petites perles blanches, transparentes. Et il y a des perles comme ceci. Ah, oh, c'est génial, j'en ai pas. Et des toutes petites blanches. Voilà, donc c'est génial, Guylaine. Merci beaucoup pour ta créa, pour ta carte et pour tes cadeaux et tes bonbons. Et ça, c'est génial. Je vais le garder pareil là-dedans, comme ça, ben, tout est ensemble. Il y en a qui me diraient, il faut tout trier. Non, moi, je garde tout ensemble déjà parce que je sais que c'est des personnes qui me les ont offerts. Donc, j'aime bien aller prendre directement dans ce qu'on m'envoie. Au moins, les personnes voient les créas que je fais avec. Et puis voilà, c'est moi j'adore, j'adore. Donc merci beaucoup Guylaine. Guylaine, tu es le numéro 63. Alors, on a été coupé. Alors Guylaine, merci beaucoup, mais je crois que je te l'ai dit déjà il y a 2 secondes. Donc maintenant on va passer à Lydie D, qui est le numéro 64, donc l'avant-dernière. Donc Lydie est arrivée dans un gros paquet et à ouvrir par ici. Autant dire que j'avais découpé partout, j'ai vu à la fin qu'il fallait ouvrir ici. Bref, ouvre ici. Alors, Lydie. Oh là là. D'accord. Hop là. Hop là. Alors, je vais prendre par où je peux prendre. Donc, j'aurais aimé trouver sa carte, mais je ne sais pas où sa carte. Parce qu'en fait, il y a plein de paquets. Oh non, il y a plein de paquets. Je ne sais pas combien de paquets il y a là-dedans. Oh punaise. Bon, on va ouvrir celui-là en premier. Les paquets sont magnifiques. Magnifiques. Donc déjà, je découvre une planche de tampons de chez Action, donc je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas parce que le Love You et le Miss You, je ne l'ai jamais vu. Donc, j'adore. Et les fonds, c'est pareil, ces fonds-là. Pareil, là, vous avez vu, j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel de marque. Mais on m'a réclamé à plusieurs reprises des tutos qu'avec des produits Action. Donc, pareil, vous verrez qu'à la rentrée, il y a certaines choses qui vont changer. Et je vais essayer au moins une fois ou deux fois par mois de faire des créas qu'avec du Action. Mais alors, le Love You et le Miss You, j'adore. J'adore. C'est génial. Ça, il va falloir que je voie ce que ça veut dire. Pardon, mais j'adore. Merci beaucoup, Lydie. On va ouvrir ce paquet. Donc, peut-être que la carte, je la trouverai à la fin. Je suis désolée. Il n'y avait pas de numéro, hein? Non, il n'y a pas de numéro. Des embellissements en métal. Donc, alors, autant vous dire que soit j'ai une caméra planquée chez moi et on voit. Il me reste une fleur comme ça. J'en avais acheté plein sur AliExpress il y a 4-5 ans et j'en ai plus. J'ai fait mon dernier mix média avec et j'en ai plus qu'une, donc ben, j'en ai 2 autres. Donc c'est génial, Lydie. Merci beaucoup. Elle m'a mis des gros trucs comme ça, style de glace. Donc ça c'est pareil. Faut que je voie.
comment m'en servir. Mais je sais qu'il y a plein de façons de s'en servir. Donc, je verrai ça. Mais de toute façon, c'est des choses que vous verrez dans les mois à venir. Mais c'est génial. Moi, je crois que j'en ai des tout petits, mais de couleur. Voilà. Et peut-être que j'en ai, mais des plus petits, mais en bois comme ça. Mais des plus petits, je crois que j'en ai. Donc, ça, c'est génial. Ça va me faire travailler plein de choses. Après, elle m'a mis. Hop, j'en ai fait tomber une en route. Elle m'a mis des pailles. Donc, pareil, les pailles, par contre, je les garde dans un pot en haut de mon meuble. Et elles sont trop, trop belles. Elles sont trop belles. Et dans un autre pochon, je vais essayer de ne pas les abîmer parce que j'aimerais bien garder ces petites pochettes pour les réutiliser dans lors de mes prochains envois. Oh, c'est trop beau. C'est un set de post-it sticky notes, exactement ça s'appelle, sur le thème de l'été. Donc déjà, il y a un trop joli stylo. Alors, c'est quoi qu'il y a dessus? C'est un singe. Voilà, un stylo. Hop! Ça va aller sur mon bureau. Et les post-it, pareil, ils vont aller sur mon bureau parce que c'est des couleurs en plus que j'adore. Ça, je pense que ça doit se mettre dans des planeurs ou des trucs comme ça, mais moi non, ça va rester sur mon bureau. Ou alors, je vais le mettre dans le calendrier, non pas du... dans l'agenda qu'on m'a fait, que j'ai sur mon bureau depuis. Donc, du coup, ben merci, merci, je kiffe. J'adore. Et les couleurs, elles sont trop, trop belles. Ça vient de Emma. Alors, ce magasin, j'en ai pas par chez moi. Je ne connais pas du tout. Donc, merci beaucoup, Lydie. Il y a plein de cadeaux, bien entendu. Il y a plein de cadeaux. J'adore quand elle me dit, mais j'ai pas fait grand-chose. Donc, encore une pochette. Là, franchement, c'est... Voilà, par contre, je suis pas arrivée à bien l'ouvrir. J'adore. Elle m'a mis. Alors ça, c'est pareil. Je l'ai pendue. Je les peins toutes sur. Vous verrez quoi. Ça, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et avec, elle m'a mis du ruban. Très joli, lui. Lui, c'est classique, mais c'est impeccable. Et celui-là, il est avec des fleurs. C'est trop joli. De la marque Rayère. Hop, j'en ai partout. Après, je crois que sa carte. Non, je ne l'ai toujours pas vue, sa carte. Il n'y a peut-être pas de carte. Il n'y a peut-être pas de carte. Là, je vais ouvrir ici. Troisième création. Non, faut pas que je l'ouvre. Elle m'a fait trois créations. Le grand là. Alors, deuxième création. Toile pour mettre des photos. Retirer les attaches parisiennes pour glisser les photos. Donc, deuxième création. Troisième. Ma carte. Elle est là. Ça y est! Et ça doit être sa première création. Alors, déjà, avant de voir sa carte, hop, il y a marqué attention fragile, retirez le morceau de tissu autour de la libellule. On n'y est pas encore. Petit plus pour tes créas, donc c'est top. Voilà, c'est des mini cadres, je ne sais pas du tout où c'est que tu as acheté ça. Voilà, il y en a un rond derrière, je kiffe. J'en cherche depuis, mais alors super longtemps. Tu me diras où tu les achètes et si tu as le lien, tu me diras Lydie, mais j'adore, je suis trop trop contente. Je vais prendre sa carte qui est énorme. Énorme, elle est sa carte. Elle est trop 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 jolie. Donc là, il y a son adresse et quelques petites choses. J'adore. Je suis trop trop fan. Je cherche comment l'ouvrir. Et avec, vous voyez, il y avait ça de glisser. Hop, c'était mis comme ça dessus. Il y a peut-être un aimant, hein. C'était mis comme ça, en fait. Elle est très, très, très jolie. Je vais... Ouh là là, il y a un grand, grand, grand mot. Ça promet. Donc, ils sont comme ça, j'adore. Ça... Alors, elle m'a écrit ce mot le 8-7-2019. Et elle a une magnifique écriture.
Merci beaucoup Lydie. Et pour l'échange, on va mettre ça en place. Je vais mettre le tag à l'intérieur comme ça, je ne vais pas le perdre. Là, je suis quasiment à jour. J'ai deux colis absolument qu'il faut que je fasse partir, plus tous ceux du concours. Et après, je suis tranquille. Je n'ai plus de créa à part pour le concours de Marik, d'ailleurs, qui a fait son concours des 1000 abonnés, qui a lancé. Donc, je vous invite à aller sur sa chaîne. Donc Lydie, on va discuter de tout ça et pour voir si on peut se faire un échange courant de l'été, ça sera avec plaisir et merci beaucoup pour tous les gentils mots que tu m'as mis à l'intérieur. Et on va finir, voilà. Avant d'attaquer, elle m'a fait une magnifique boîte. Elle est très 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 belle, donc il y a un très grand nœud. C'est un double nœud en plus. Je sais pas faire. Je ferai qu'un nœud. C'est pas très grave. Si j'y arrive. Et après, je vais vous faire voir les créas. C'est magnifique. C'est magnifique. Félicitations. Clic-clac. 3000K. Elle est magnifique. Voyez le retour. C'est magnifique. Je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. D'accord. D'accord. Elle est pleine en fait la boîte. Il y a des bougies comme. Ben, j'adore ça. J'adore ça. Il y a trois bougies. Il y a du ruban. Alors, c'est tout bien calé. Il y a des pinces à linge. Il y a des fleurs. Il y a plein de bougies. Il y a même quatre bougies. J'adore ça. J'adore ça. Donc, hop. Voilà. Je veux rien faire tomber. Donc, Lydie, merci beaucoup. Mais il fallait pas. Déjà, tu m'as fait plein de cadeaux et en plus, tu m'as fait trois créas. Donc, merci beaucoup, Lydie. Et maintenant, on va passer à sa première création pour tes petits bijoux. Ah! Par contre, retirer le petit tissu autour de la libellule. Je ne sais pas du tout où c'était. Où il y avait. Je ne sais pas. Oh, c'est trop, trop, trop joli. En plus, ça m'a mis un bijou. Ah, oh, c'est trop beau. Je vais enlever le petit masking tape. C'est trop joli, j'adore. C'est trop, trop beau. C'est une toile pour peindre. Et regardez-moi, elle m'a mis même un bijou avec. C'est trop trop joli, ben voilà, c'est pile ce que j'aime, j'adore, c'est trop joli. Et il est trop beau le collier aussi. Ah j'adore, ben du coup ben, je vais mettre tous mes colliers ici. Ah c'est génial, merci beaucoup Lydie, j'adore, j'adore. Le fond il est magnifique, alors le fond je pense que c'est du papier, mais c'est trop 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 beau. Merci beaucoup Lydie, je sais plus où tout mettre. Et maintenant, on va passer à la deuxième création. Toile pour mettre des photos, retirer les attaches parisiennes pour glisser des photos. Donc, il est très gros. Puis alors, c'est très, très bien emballé. Hop, j'enlève le papier. Hop là. Hop, avant que je fasse tomber. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop, trop, trop joli. C'est magnifique. C'est trop joli. Je ne pense pas à faire des créas comme ça. Alors, c'est un papier en fond. Et voilà, elle a mis des. C'est trop beau. J'adore. Je trouve ça magnifique. Donc, avec la petite ficelle, elle a même pensé à la ficelle et tout. J'adore. C'est trop joli. Merci beaucoup, Lydie. J'adore. Je trouve ça sublime. C'est magnifique. Magnifique. Et troisième création. Voilà. C'est magnifique. Les filles, ça me touche à un point, vous ne pouvez même pas imaginer recevoir tant d'amour, tant de belles créations.
J'aimerais tout mettre derrière moi, que vous voyez tout, tout le temps. C'est tellement que c'est beau ce que vous faites. Je regarde de partout parce que j'en ai de partout. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Un cercle à broder. Alors, voilà, libellule. Je pense qu'elle est ici. C'était, je pense, pour pas abîmer la libellule. Voilà. Alors, il y a un petit bout de scotch. On va l'enlever. Hop. Et je vais garder le petit bout de tissu. C'était pour pas abîmer la libellule et tu as bien raison. Un petit air de fête. C'est magnifique. Et un, ouf, un cercle à broder. Hop. Ça, alors ça, je ne sais pas comment il était mis. Hop. Mais hop, on va le mettre comme ça. Voilà. C'est magnifique. Donc la libellule, c'est trop trop joli. Pareil, ça, je vais le peindre. C'est trop 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 joli. Merci beaucoup Lydie pour tout ce que tu m'as envoyé. Les cadeaux, il fallait pas, mais merci du fond du cœur. Les créations, j'en avais demandé qu'une, tu m'en as fait trois, et trois magnifiques créations. Je t'en remercie vraiment 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 du fond du cœur. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc merci beaucoup. Et Lydie, tu étais le numéro 64. Et maintenant, on va passer à la dernière. Alors, je ne sais pas si le courrier passera après. Enfin, là, il n'y avait rien. Je ne sais pas, au pire des cas, je rajouterai lors du tirage au sort ce soir. Mais la dernière que j'ai vraiment reçue, c'est Marie-Cécile. Donc Marie-Cécile D. Il est ici d'ailleurs, je n'ai pas rajouté le D. Donc je vais le rajouter, mais de Marie-Cécile, j'en ai qu'une. Qui est le numéro 65. Et comme je vous ai dit, 65 participants, c'est juste waouh, waouh. J'espère vraiment que ce que je vous ai fait, le lot que je vous ai fait, la carte cadeau, vous, vraiment vous plaira, les lots que les filles m'ont envoyé pour vous. Parce que vous m'avez tellement envoyé d'amour et j'ai tellement reçu d'amour via vos créations et vos mots que... Voilà, déjà 65, je m'y attendais pas du tout et c'est juste un truc de fou. Alors... Je vais tout sortir. C'est très, 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 très bien emballé. Alors, je crois que j'ai tout sorti. Donc là, déjà, création. Et là, scrap bidule. Alors, déjà, on va prendre la carte. No perfect. J'adore. Voilà, mise au point. No, perfect. Et dedans, il y a plein de choses. Alors, il y a déjà une ATC. Je scrape un peu beaucoup à la folie, passionnément pour la vie, c'est clair. Donc, plaisir, elle s'appelle et c'est la 1 sur 1. Elle a été faite en décembre 2018. Donc, j'adore. Hop, il y a une memory dex, j'ai du mal, hein. J'ai du mal, donc par Marie-Cécile D. Hop, et sur YouTube, c'est Magdes. Donc elle est très jolie, je t'en remercie aussi. Et là, il doit y avoir son mot. Alors, une toute jeune abonnée. Alors, tu peux me tutoyer. Moi, je te tutoie, alors tu pourras me tutoyer. Elle scrap depuis novembre 2018. Une toute jeune scrapeuse. Merci beaucoup. C'est très, 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 très gentil. Toute jeune scrapper, j'adore. Alors, on va passer à sa création. Que je crois que je vais mettre 2 jours à ouvrir. Parce que ça m'a l'air très, très, très bien emballé. Mais c'était fait exprès. Non, c'était pour pas que ça casse. Donc, elle était emballée dans du papier. Là, il y a de la cordelette avec marqué création dessus.
Et là, du bleu. J'adore. Alors, le petit monde de chachou, grand congratulation 3000K. Hop, c'est tout simplement un miroir qu'elle a customisé, donc je lisais derrière. Alors, j'adore, c'est super original, donc ça a été fait sur un couvercle. Un couvercle, d'après ce qu'elle m'a dit. J'adore, je trouve ça génial, génial, avec une petite glace. Donc, c'est parfait, vous voyez, hop là, vous me voyez là. Ah, là, tac. j'adore, je trouve ça trop, trop, trop joli. Marie-Cécile, j'adore. J'adore. Et du bleu, ben, comment dire que je n'aime pas le bleu si j'adore le bleu. Je kiffe le bleu, j'adore ça. Ça me reflète, même dans le visage, j'adore. Je trouve ça trop, trop, trop joli. Merci beaucoup. Et avec, elle m'a envoyé quelques scrabidules, ce qui a marqué dessus. Alors, hop. Le tout, c'est de trouver hop, je regarde juste une petite chose sur mon écran. Tac, tac, tac. Voilà. Hop là. Et j'espère que vous aurez cette vidéo avant le tirage au sort. Je vais tout faire en œuvre. Il est tôt là. Hein. Il est... Il doit être 2h30, quelque chose comme ça. Je prie pour... Je prie pour que vous l'aurez vers 5-6h. Si ça veut bien se charger. Hop là, ça y est, je suis arrivée à ouvrir. Ah non, 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 mais encore des choses. Alors, pour le mix média, elle m'a mis plein de trucs pour le mix média. Je kiffe. Je kiffe. C'est génial. Elle m'a mis plein de trucs pour faire du mix média. Ça... J'en cherchais de partout, vous savez, c'est les fermetures éclair. Parce que j'ai vu une toile avec ça, il faut que j'en fasse une, donc ben, j'en ai. Il y a un petit récipient et tout. Ah, c'est parfait, j'adore, j'adore. Et après, il y a une enveloppe scrabidule, ouvrir ici. Alors, dedans, il y a plein de petites choses. Il y a des petites enveloppes bleues comme ça et bleu foncé. Il y a, mais voilà, je vais vous faire voir. Il y a des découpes comme ceci, magnifiques. Et il y a des serviettes. Donc, j'adore. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Que je ne me trompe pas dans les prénoms parce qu'il m'arrive de confondre les lettres et les prénoms quand j'écris là-dessus. Voilà, parce que je me relis très, très mal. Donc, Marie-Cécile, merci beaucoup. Merci à toutes les filles, mais ce n'est pas fini. Maintenant, je vais vous faire voir deux choses que j'ai reçues, mais rien à voir avec mon concours. Mais vu que c'est une balle, je vous fais voir tout ça. Mais déjà, voilà, je vous remercie infiniment pour tout. C'est juste magnifique. Voilà, je vous le dis, je vous le redis. Vous savez que je suis franche. Moi, comme j'ai dit, que ça soit des participations, que les personnes viennent d'attaquer le scrap ou des scrappeuses, que ça fait 20 ans qu'elles le font, pour moi, c'est la même. J'expose pareil. Je trouve que c'est tout est magnifique. Voilà, on a tous attaqué à un moment. On a tous évolué à un moment. Donc voilà, moi, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Pour moi, vous êtes toutes identiques. C'est pour ça que je vais faire un tirage au sort avec des papiers ou avec ma tablette. Mais il n'y aura pas de plus belle ou création ou quoi. Non, moi, ça ne marche pas comme ça. J'ai horreur de ça. Donc pour moi, c'est vraiment... vraiment le tirage au sort au hasard, parce que pour moi toutes vous êtes au même niveau, il n'y a pas de là ou de là, c'est non, c'est tout au même niveau. Et voilà, je voulais vraiment appuyer dessus. Ça a été une des balles de folie, d'ailleurs ça je l'avais dit une fois, je l'avais marqué en commentaire, une balle de folie. Oui, c'est une balle de folie, plein d'amour, plein de voilà, plein de trop un gros plein d'amour. Et je vous en remercie du fond du cœur et j'espère ne jamais vous décevoir. Parce que voilà, vous me la rendez tellement que faut pas que je vous déçoive. Et maintenant, alors, Amélie avait déjà participé à son concours, mais elle m'a envoyé un mini, donc je ne l'ai pas du tout ouvert. J'ai juste ouvert l'enveloppe comme ça, et elle m'a dit que je pouvais le faire voir dans une vidéo. Je vois qu'il y a des camembarts, donc je vais les mettre de côté. Donc merci beaucoup Amélie. Hop, et elle m'a fait une créa. Et elle a déjà participé, donc je ne pouvais pas mettre double participation. Hop. Donc, elle m'a fait déjà une ATC.
Et une très jolie carte, profiter de chaque instant. Donc, ça a été super gentil parce qu'elle m'a envoyé un album alors qu'elle avait déjà fait une création pour mon concours. C'est son deuxième album. Elle veut que je lui donne des conseils, mais d'après ce qu'elle m'avait fait voir en photo, c'est gentil, Amélie. Donc, c'est La Mouta, pareil, elle a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. Et là, il y a. Elle m'a mis des serviettes. Voilà, donc plein de serviettes, j'adore. Et elle a fait un mini. Voilà, son deuxième mini. Hop. Donc pareil, elle voulait que je lui dise ce que j'en pense. Mais moi, pour le moment, j'en pense que c'est très bien. Voilà. Et quand on ouvre, hop, donc c'est comme ceci. Et je tenais à le faire voir en vidéo. Voilà. Et je vais le garder avec tous les albums que j'ai là. J'en ai ici, j'en ai en haut. En haut, c'est les miens. Et ici, ils sont tous rangés dans une panière. Et bien, il est très, très, très joli. La reliure, c'est comme ça avec du tissu. Il est très joli, ton mini. Et je pense qu'une fois avec des photos et juste des photos, des petits sentiments, il va être juste au top. Mais moi, vous savez que j'aime bien garder les minis sans rien dedans. Voilà, je suis comme ça. Mais merci beaucoup Amélie de me l'avoir envoyé. Et après, je vais passer, que je dise pas de bêtises, à l'envoi qui me vient de Elodie. En fait, Elodie m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait, je vais vous dire le nom, un magasin qu'on n'a pas par chez nous et qu'il y avait des palettes de peintre. Et vous savez que je suis toujours à la recherche de palettes de peintre parce que dans mon action, il n'y en a pas. Et elle m'a gentiment proposé de me les acheter. Bien sûr, à l'heure que vous voyez cette vidéo, ça a déjà été payé. Je ne dois plus rien. Mais voilà, ça valait super le coup. Donc, elle m'a gentiment envoyé les palettes. Donc, je vais vous dire le nom parce que je ne m'en rappelle plus. Et elle m'a mis quelques petites choses. Donc, déjà, il y avait son mot. Donc, ça, je l'ai déjà lu. Je l'avais déjà ouverte. Elle m'a mis une serviette cupcake. Elle m'a mis. Alors, c'est un gros nuage. Je croyais qu'il y en avait plusieurs, mais non, c'est un gros nuage en bois. Elle m'a mis une petite carte dans ce sens. Ça va mieux. Comme ça. Elle m'a mis des crayons parce que ben, ah, j'adore les crayons. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, j'adore. Alors, le nom. Sauce Train Grain. Voilà, c'est elle. Voilà. Ça, j'ai pas chez moi. Ça, c'est génial. Pareil pour le mix média. Et elle m'avait demandé combien je voulais de palettes. Je lui avais dit ben, si c'était possible, 3. Donc, elle m'en a acheté 3 et je lui ai remboursé. Voilà. Donc, Elodie, merci aussi à toi. Et puis voilà, un grand merci à toutes. Et puis de toute façon, des balles, il n'y en aura plus. À moins que je fasse des échanges, je vais peut-être. Mais ça sera qu'en septembre, pas avant. Peut-être recommencer certains petits échanges. Mais là, déjà, il faut que je clôture tout. Parce que j'ai deux colis que ça fait au moins déjà un mois et demi, voire 2 mois que je dois envoyer. Et là, par contre, tous les gagnantes, les envois partiront à la fin de la semaine, ainsi que les deux colis qui attendent depuis 2 mois. Oui, c'est pas bien, je le sais. Ça partira soit à la fin de la semaine, soit début de semaine prochaine. Je vais voir, ça va être sûrement tout en suivi en Colissimo. Mais voilà, que vous dire que je suis méga contente et que ça y est, c'est la fin de mes balles spéciales 3000K. Et encore mille merci. Et puis j'espère. Pardon, j'ai bavouille. J'espère vous retrouver ce soir à 20h15, 20h30 pour le live. On parlera, on chatchera, on fera tout ce que vous voulez en rapport avec le scrap, hein. Et puis on fera le tirage au sort, voilà, qui va être les 8 gagnantes de ce concours. Et il y a 65 participantes. Voilà, à moins qu'il y en a une qui soit arrivée entre-temps dans l'après-midi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve ce soir pour le live. Et puis à tout à l'heure. Bye bye.